chers amis, je vous remercie de votre présence aujourd'hui. La malade que vous allez voir aujourd'hui s'appelle Augustine. Augustine a 19 ans. Elle a des attaques d'hystérie depuis plusieurs mois et présente tous les symptômes de ce qu'on a décrit comme l'hystérie ovarienne. Vous remarquerez en premier lieu la paralysie de l'œil droit. C'est un beau spécimen de ce qu'on appelle le clin d'œil hystérique. C'est une paralysie permanente. Bien que les symptômes soient présents depuis plusieurs jours, nous n'avons pu trouver la moindre lésion organique. Comme tout hystérique, cette malade défie les lois de l'anatomie. Nous allons mettre Augustine sous hypnose. Et par hypnose, nous allons reproduire cette crise telle que nous l'avons vue à l'état naturel. Pour mieux l'identifier, mieux l'observer et mieux en classifier les symptômes. Monsieur Verdant, ici présent, fera des photographies de la scène. Monsieur Bonneville, vous pouvez hypnotiser Augustine quand vous voulez. Augustine, regarde le miroir. Regarde la lumière dans le miroir. Suis-la. C'est bien. Encore. Fixe-la. Fixe-la bien. Tu me connais. Oui.